Bonjour à tous les amis, c'est Fury, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce concept que vous adorez tant. Et moi aussi je le kiffe les amis, oui je le kiffe, je vous le dis. C'est le concept 1 pro contre 3 joueurs de différents ranks. Et aujourd'hui les gars, masterclass. Vous savez qu'on aime bien faire passer des petits craquitos, des petits prodiges, des joueurs de 15 ans qui ont tout juste l'âge pour aller en RLCS. Et aujourd'hui les amis, on a la pépite belge. Il est avec nous, Atto, 15 ans, joueur pour la Team Liquid. Comment ça va moi Atto? Salut toi. Bah ça va super, je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui pour le concept. Donc déjà merci à toi d'avoir accepté. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, Atto il a 15 ans et il joue déjà pour la Team Liquid en RLCS. Et voilà, tu es un des prodiges de la scène francophone mais aussi belge. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, à part Astral qui a percé, derrière c'est compliqué pour nos joueurs belges. Donc là il y a la relève les amis, pour les amis belges. Si vous êtes là n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires les amis belges bien évidemment. Alors le concept il est très simple, je te le réexplique mon cher Atto, mais c'est aussi pour vous, peut-être que vous découvrez le concept. Atto est un joueur pro, il va aller affronter pour commencer sur un match de 5 minutes 3 joueurs platine. S'il les bat, eh ben il va aller affronter 3 joueurs diamant. S'il les bat, 3 joueurs champions. S'il les bat, 3 joueurs grand champion. Et l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. S'il vient à perdre contre les joueurs platine, diamant, champion, peu importe, le concept s'arrête. Donc l'objectif est de ne pas perdre, d'aller le plus loin possible. Sachant que je le rappelle, bien évidemment, ces vidéos où je fais passer plusieurs joueurs pro ou alors des joueurs prometteurs ne sont pas du tout, c'est pas un concours. Voilà, ça veut rien dire, c'est pas représentatif, les joueurs en face changent d'une vidéo à l'autre, donc c'est pas un concours, on est là pour s'amuser, donc on perd pas plus de temps. Mon petit Atto, j'ai une question quand même, est-ce que tu as déjà fait pour t'amuser ce concept là de jouer voilà en infériorité numérique face à des potes, je sais pas qui t'es diamant ou quoi? Non, j'ai jamais trop fait en vrai. Jamais, c'est une découverte. Enfin j'avais fait avec Prony mais okay. Ouais, il était un peu dans l'abus, il m'a mis contre 5 champions frère. Ah oui d'accord. Alors t'as déjà eu un entraînement coriace j'ai envie de dire. Et t'avais fait quoi? T'avais gagné? Je pense que j'avais fait 3-8 ou un truc comme ça. Contre 5 champions? Ouais. 1v5? Ah, bah, en fait c'était 1v3 les deux premières minutes. D'accord. Après c'était il y en avait okay. Deux autres qui sont rejoints. Ah oui non mais d'accord, il m'a dit j'ai jamais fait ça, il a atomisé 5 champions le frérot Atto. Ok très bien, et eh ben ça lance la vidéo sur les meilleures bases. On perd pas plus de temps et on démarre tout de suite avec la game contre les joueurs platine. Ok c'est bon, on est dans le lobby. Atto, tu choisis la couleur qui te fait plaisir, qui te régale. Bleu, orange, orange pour Atto. Oh d'habitude on a beaucoup de joueurs qui choisissent la couleur bleue. Toi tu préfères jouer en orange sur Rocket League ou tu as choisi au pif? Au pif, ok. Très bien, ils sont fous, il a fait auto, il y va, il a pas le temps. Allez les trois joueurs platine qui sont là, qui peuvent rejoindre. Est-ce qu'ils vont rejoindre le match les joueurs platine? Les joueurs platine, oui, un premier joueur platine, ça régale. Deux joueurs platine, est-ce qu'on aura le troisième avec nous? Le troisième, ah il est pas là. Oui c'est bon, allez ça joue, c'est parti. Alors est-ce que t'as une stratégie un petit peu? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans ce premier match contre les platines? Moi je pense que platine, on va juste toucher la balle. Toucher la balle. Effectivement ça peut être sympa contre... Oula, ouais, ou enfin, les platines qui répondent. Oui, ça leur a pas plu. Ok, ça rate pas mal. Ouais, t'as failli nous mettre un beau flip reset dès... Mais t'as essayé de les fake reset, non? Sur la première touche de balle, ou tu l'avais eu, je pense? Je pense que je l'ai eu, mais c'est mal parti. Quoi. Allez, let's go, c'est pas grave. Voilà, tranquille. 1-0, oui, c'est bon, ça passe. Le poteau était un petit peu farceur, on les connaît, ces poteaux. Mais pas de soucis, 1-0. Alors, on n'en est pas là encore, mais si jamais t'arrives à te défaire assez facilement des joueurs platine, tu peux nous régaler, Atto. Tu peux nous faire tes meilleurs moves, tes meilleurs mechas. Parce qu'après, diamant, déjà, ça va commencer un peu mieux jouer. Champion, ça commence à être costaud. Il y a moins de place pour les flip resets. D'ailleurs, c'est quoi ta mecha préférée sur Rocket League? Vraiment, le move mécanique? Parce qu'on sait qu'en plus, t'es un joueur qui a des mécaniques, ça régale. C'est quoi ton move préféré? Je sais pas trop de move en vrai. Ouais mais t'as pas un petit truc, t'as des bonnes mécas quand même. Les doubles tapes c'est quand même kiffant hein. Ouais mais c'est une méca pour moi hein. Les doubles tapes c'est une mécanique hein. Voilà, quand on parle de méca on parle pas forcément de Musty ou de Reset hein. Avoir une belle régularité sur les double tapes c'est une mécanique de Rocket League. Ok attention, Barom qui en veut dans le corner, pas de soucis, 1-0, ça maîtrise pour le moment. Oh, la possibilité de faire le break. Oui, okay, c'est bon, tranquille. Pas de dinguerie. Tu y vas progressif, un joueur, deux joueurs, petit open. On va mettre un petit écart au début parce que... Voilà, la sécurité, effectivement. Il faut pas sous-estimer les platines. Attention, un coup de folie, c'est ça les platines. Ça rate des open, mais ça peut mettre un musty. Eh oui. Ah, des spécimens, hein. Ça met des flip reset, les platines, attention quand même. On respecte. Alors, je le rappelle aussi, oui, les joueurs sont bien platines au moment du tournage de... Oh, t'as fait l'araignée, frère, c'est interdit de faire ça. Oh, ouais, l'araignée. Oh, c'est fou, ça. Ça, j'en peux plus, moi, quand je vois des mecs faire ça dans les vidéos freestyle, là. C'est incroyable. Oh, le setup.
Ouais, le setup, ça régale. Oui, j'ai pas de mécanique. Allez, petit coup de reset, il est là, en détente, tranquillou. C'est parfait. Donc, je disais, juste avant que tu commences à faire des trucs de sorcellerie, là, sur le mur, là, des pas chassés sur le mur, les joueurs sont bien platines, les joueurs diamants sont bien diamants, les joueurs champions sont bien champions, etc., etc. On vérifie les trackers des joueurs avant de venir. Maintenant, c'est à l'instant T. Peut-être que dans un mois, deux mois, ils seront moins haut classés, plus haut classés, on ne sait pas. Mais en tout cas, au moment où on fait la vidéo, ils sont bien au rang platine, diamant, ou qui correspond à ce qu'il faut. Ouais, tu peux la save. Oh, magnifique. Et sachant qu'on est en début de saison aussi, hein. Donc, c'est-à-dire que les joueurs platine de début de saison sont plus forts que les joueurs platine de fin de saison. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. C'est plus dur de passer à ce moment-là. Dommage. Dommage. Ouais, le petit brisé qui a été tenté. C'est pas trop bon truc, mais c'est pas grave, ça nous fait 4-0 à toi. Hein. Mais n'hésite pas. Là, tu sais quoi? C'est de l'entraînement. Il y a même plus de vidéos. Les brisés, c'est pas trop ça. Entraîne-toi à faire des brisés. Régale-nous, entraîne-toi à faire des brisés. Alors, kick-off, tu leur laisses le kick-off, hein, je vois depuis tout à l'heure. Ouais, je pense pas que je vais y aller. Ouais. Bah, en platine, je pense que tu peux. Mais, ouais, effectivement, globalement, c'est une bonne strat, surtout pour les ranks d'après, où les joueurs ils vont savoir kick-off, ils vont être assez rapides au kick-off, donc si tu le perds, c'est compliqué. Un petit flip reset encore? Oh, tu l'as pas eu? Je l'ai pas eu, non. Oh là là, la fraude. Ah, ce jeu, quelle fraude. Bah voilà, ça marche aussi. Non, mais oui. Ça marche aussi. Pas de reset ici, mais une double tap incroyable. Le setup était pas évident en plus, hein. Décoller depuis le mur ici. Le read est parfait, c'est sublime, c'est magnifique. Atto nous régale les amis, 5-0 déjà contre les joueurs platine. Tu sais quoi? C'est beau. Je te laisse le contrôle de la vidéo. Explique-nous un petit peu ce que tu fais face aux platines. Donne-nous ton point de vue. C'est ça aussi qui intéresse les gens, de comprendre un petit peu comment les pros réfléchissent. Oh, je suis pas trop honnêtement. Hein. Tu vas au feeling, toi? Ouais, au feeling. Hein. Tu te dis pas là, je vais essayer de faire une petite touche dans le mur, je vais essayer de me setup une double tap, tu vois, ce genre de truc. Non, pas trop pour l'instant. Ok, full feeling, ouais, pour le moment. Ouais, parce que c'est à dire que là, c'est assez facile aussi pour toi pour le moment, donc effectivement, pas trop de soucis. Bon, là, on va y aller. Je vais essayer de faire des mécaniques. Ah, voilà, régale-nous. C'est ça qu'on veut. Les mécas. Faudrait qu'il la save. Ah, la méca de save n'est pas là. Oh, le frérot. Oh, c'est tellement simple. On va les aider un peu, parce que... N'hésite pas à te mettre des buts, hein, mets-toi des musties. Autant prendre quoi. Ouais, je vais essayer. Ok, oh là. Ça, c'est pas cadré, mais on n'était pas loin du drame, là, pour nos amis platines. Ouais, les mecs, hein. Ça va chercher le mur direct. Oh, il veut pas que tu le clips. Il veut pas y... 6-0, c'est déjà trop. Ils sont dans ma rechance. Ok, sur le côté, parfait. On va tenter un truc. Oh, Musty double tap, c'est dedans. Oh là là. Oui, papy, la régalade. Oh, c'est magnifique. La petite récupération du saut sur le plafond. Musty double tap. Bah, c'est magnifique. Là, tu nous régales, je te dis. Les gens qui regardent la vidéo sont friands de ce genre de mécanique. Donc, c'est magnifique. Hein. Là, moi, j'ai même envie d'arrêter la vidéo. Là, on s'est régalé. Tu vois, on a pris notre dose de bonheur. C'est fou. Ah, mais tant mieux. il veut pas affronter la suite. Est-ce que tu sais faire les doubles flip reset? Ça dépend du setup, mais. Il y a une place pour un petit setup de double reset là quand même. Face aux platines 8-0. Et faut que 8-0, je commence sur goal. Ah, bah vas-y, essaie de te setup ça. Double flip reset. Rappelle qu'il n'a pas de mécanique, hein, selon lui, Atto. Musty double tap. En détente. Oula. Ah, oui, t'as eu le bug de reset, non? Ouais, on a vu ta voiture, elle a tremblé. Oh, le reset, c'est une fraude sur ce jeu. Ils avaient pas prévu, tu sais. Des mecs face à ça se disent: ah, mais tiens, on peut récupérer notre saut, quoi. T'as failli faire un trip. Pas de mécanique, on le rappelle. On lui demande à nous, il va faire un trip. Ah, tu sais quoi, tu nous as chauffé, on veut le trip maintenant. Ah, on veut le trip. Il nous faut un bon setup là. Et il faut le setup, c'est le plus compliqué. En fait, vous êtes tellement facile, les pros, qu'on oublie qu'il y a quand même 3 énergumènes qui courent sur le terrain pour vous enlever la balle. J'ai plus de boost. Ouais, il va être dur le setup là. Il va être dur. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre leur but de l'honneur alors que tu tentes de triple flip reset? Ouais, ça sera un double, c'est incroyable. Bon, ça alors. Ah, il est propre parce qu'en plus tu pars d'un setup compliqué. Hein. C'est-à-dire que c'est toi qui te lèves la balle, t'es au milieu de terrain, franchement, et t'es presque rentré en no-bounce en plus. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. C'est-à-dire que quand t'as pris ton premier flip reset, il te restait 50 de boost. Et t'étais à la moitié du terrain, incroyable. C'est phénoménal. Ah, il reste 46 secondes pour le trip. Oh le bâtard. Oh Barom. Oh, pas de chance, hein. Ouais, dommage. Pas fini. Oh, peut-être sur le setup là-bas. Enfin, sur le wall. Allez.
Ouais, non. Aïe, 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 aïe. Ouais. Oh, tu l'as eu, toi? Ah, tu l'as eu le deuxième ou pas, quand même? Ouais, quand même. Incroyable. Bon, t'avais rattrapé ça. Ouais, j'arrive pas. Ouais, en même temps, t'es parti du corner. C'est pas le setup le plus simple pour mettre un triple reset cadré. Allez, peut-être la dernière tentative. Ah non, ils ne veulent pas. Hein. Déjà, le double leur a fait mal, je crois. Pinch. Ouh, ah, dommage. Dommage. C'est fait, la balle touche le sol. Victoire très large d'Ato contre les joueurs platine. Avec en plus de la régalade, avec des mécaniques. On a eu droit au musty double tap, on a eu droit au double flip reset. Et j'en passe, incroyable, 9-0, aucun problème mon Ato là. Non, pour l'instant ça. Nickel. Le problème 7, mais non. Hein. Ah, ça va commencer à se compliquer. Merci aux joueurs platine en tout cas qui sont venus dans la vidéo. On perd pas plus de temps, je sens qu'il a très très faim Ato, qu'il a envie d'en découdre. Alors on passe tout de suite à la game contre les diamants. Les joueurs diamants sont arrivés dans le lobby pour affronter Ato. Ato, c'est parti, choisis la couleur qui te régale. Et nous serons encore orange pour cette fois-ci. Bon, on va continuer en orange, ça t'a bien réussi, 9-0 avant contre les platines. Qu'est-ce que tu vas faire, stratégique, et qu'est-ce que c'est là? Même chose que contre les platines ou un peu plus d'observation, dis-nous. Ouais, je pense que j'ai un peu observé après. Hein. Okay. Je pense qu'il va falloir tirer de loin ici. Eh ben, je pense effectivement qu'il y aura, ouais, il y aura quelques espaces encore en diamant. Alors on rappelle aussi, okay. Hein, je l'ai pas dit tout à l'heure. Ok, ça vient chercher les bums, déjà on voit qu'il y a un petit peu plus de strat. Mais les joueurs sont pas tous diamant 2, tu vois. Ça peut être un diamant 1 avec un diamant 3 avec un diamant 2, deux diamants 2, un diamant 3, c'est en fonction d'un peu de ce qu'on trouve. Par contre, lui, ce qu'il a trouvé, c'est l'open. Oh, Oh, il a pas le temps, lui. Attention, oh, ouais, là, c'est reparti. Je pense que je vais aller au kick-off. Allez, vas-y. Ok, c'est gagné. Ah oui, Doomsy Dish. Ah oui, eh oui, eh oui, Doomsy Dish, bien évidemment, ça passe, incroyable, bonne précision, ça n'a pas tremblé. Surtout que c'est un move qui est assez dangereux parce qu'en cas de contre, ça peut très vite pincher dans tes cages. Ouais, c'est ça le problème. Mais c'est passé, la maîtrise les amis, la maîtrise. Quand on est à tôt, quand on est un joueur pro de 15 ans, on maîtrise les Doomsy Dish. Allez, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Là, je pense que même lui, il n'a pas compris la strat. Même lui, je sais pas ce qu'il a fait. Oh, encore? Non, pas. Oh, mais c'est pas. Ah, mais oh, oh, qu'est-ce que c'est ce jeu? Je pensais que c'était la strat là. Ah, oui, d'accord. Bah, écoute, régale-toi. Hein. Moi, je. Non, non, mais c'est ta vidéo, hein, mon ref. Hein. Régale-toi. Ouais, c'est régul, c'est régul. Franchement, c'est régul. Je disais il y a quelques instants, attention, ça peut être dangereux, mais quand on est pro, hop, démonstration. Juste derrière, c'est régul. Allez, pas de kick-off. Oh là, all setup. Ah, oh, dommage. Ouais, ça peut être but, hein, en vrai. Ça peut être but. Hein. Ouais, ouais. On va tirer. Petite frappe. Et ben voilà. On n'avait quasiment pas vu depuis le début des frappes comme ça. Vous avez fait quasiment que des moves aériens. Là, lecture backboard. Frappe. En plus, on sait que c'est pas évident ce genre de tir quand même, hein, parce que l'angle est. Oh là, c'est redoutable. Bah, il faut mettre de la puissance et surtout arriver à la mettre assez en hauteur. Parce que le problème, c'est que là, si t'écrases ta frappe derrière, c'est gratuit quoi. Donc, c'est parfait. Quand ils me font peur, les kicks à faire. Oula. Oh, oh, je pense que je vais aller. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est dommage, c'était vraiment pas loin. Mais même eux, ils savent pas qu'il va prendre la balle, j'ai l'impression. C'est dommage, mais bien joué. Allez, c'est pas grave, il reste un but d'avance. 4 minutes 20, c'était déjà 5 buts en 30 secondes, c'est un truc de ouf. T'es arrivé avant lui quand même, hein, alors que t'es parti plus loin, hein. C'est incroyable. C'est vrai que. Tu lui as mis une vitesse. Usain Bolt, hein. Petit reset ici, ouais, ça va être dur. En tout cas, ils en veulent, hein. Fait back, je pense. Ouais. Tiens. Oui, aïe, 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 oui, aïe, 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 aïe. C'est bon. On sent qu'ils sont un peu plus réfléchis déjà. Hein. Il y a des mecs qui viennent te bump, ils essaient de pas trop se jeter. Ah, j'ai mis. Ah, ouais, dommage. Dommage, il était pas évident. Un peu décalé sur le côté, mais ça va. Il y a 4 TPS, hein. Ouais. Que le joueur laisse. Il va la rendre. Voilà, tranquille. Ouais, je vais attendre. Ouais, c'est bien joué. Hop. Peu de la salsa. C'est le boost. Ouais. C'est le boost. Là, je vais change. Frappe de loin. Lecture, double tap. C'est but. Voilà, c'est gratuit. Non, mais ça se voit que c'est but. Ça se voit. Allez, super. 4 à 2. On réinstaure le but du break, histoire d'être tranquille. Bon, je pense que je vais y aller. Ouais, si à un moment tu sens que c'est trop facile, toujours. Les mechas sont toujours les bienvenus. Non, mais déjà, cette double tap nous a régalé. Post mytho, c'était très bien. Déjà gagner contre les diamants, c'est déjà incroyable. Hein. Vraiment, on se rend pas. Les gens se rendent peut-être pas compte parce que bah, je fais que venir des joueurs pros. Seulement des joueurs pros, donc c'est vrai que bah, vous maîtrisez l'écart est tellement énorme avec les joueurs que vous arrivez facilement à vous en défaire, mais c'est déjà très dur de gagner contre 3 diamants sur Rocket League. Donc déjà ça, moi, ça me va. C'est la mise en bouche. 3 buts d'écart. Oula. Quand les kick-offs, je comprends toujours pas. Les kick-offs, c'est la patrouille de France. Théma, il y a une chorégraphie. Hein. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils en veulent. Hein.
Je sais pas. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Moi aussi. Hein. Ils ont peut-être élaboré une strat secrète qui malheureusement n'est pas très fonctionnelle pour le moment. Le boost raté, est-ce que ça va créer des problèmes? Les problèmes. Ouh, il a raté la balle, ça a failli. En fait, le problème c'est ça, hein. Tu peux pas pré-shot les miss. Hein, eh oui. Effectivement, c'est un peu ça peut tromper. Attention, tire de loin. Oh, il a pas mis de mauvaise frappe. C'était pas cadré, mais c'était pas mal. Oh, dommage qu'il y avait pas de boost là. Bon, là, je vais prendre mon temps, je pense. Ouais. Attention parce que ça court, hein, le diamant. Le diamant est une espèce qui court très vite sur le ballon. Ouais, bien joué ça. Encore un ? Encore ? Bah oui. De l'autre côté. C'est... Avec une amenée différente cette fois-ci. Parce que là, t'es parti plus vers le bas. Hop. T'as remonté la balle alors que tout à l'heure c'était l'inverse. T'es reparti plus vers le bas. Incroyable. C'est phénoménal ce que t'es en train de nous faire. La régularité est folle. Ah ouais, non, mais la régu est folle. Hein. Allez, 2 minutes 27. On est arrivé à la moitié du temps réglementaire. 4 buts d'avance pour toi. 5 buts d'avance pour toi. Okay. Je me permets de le dire en avance. Je suis en totale confiance, les amis. Là, il m'a montré à tôt qu'on était en totale confiance. Je pense que je peux essayer de faire des mécas encore. Oui, c'est ça qu'on veut. Ça va être un peu plus chaud ici. Hein. Moins d'espace. C'est vrai. Mais bon, t'as quand même pas mal de buts d'avance maintenant. Pas mal de buts d'avance maintenant. Ils font des strats de ouf pour se prendre un dunk. Ça me fume. Ça m'extermine. Regarde, ils partent à 3. Il y a un mec, il est là, il passe devant, frérot. Boum. Petite dingue. Allez. Mais ils sont en call ou pas? Oui, ils sont en call. Mais ils se connaissent pas. Tu vois, ils se sont découverts là au début du match. C'est pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et on rappelle qu'ils ont droit à tout. Hein, peu importe le niveau, ils ont droit à tout. Hein. Les bumps, etc. font partie du jeu. Le but, c'est de te gagner, peu importe la manière. Donc là, il y en a pas trop. Ils le tentent par moment, mais c'est pas véritablement efficace. Oh, le psycho. Ouais, non, je suis pas fait pour ça, moi. Oh, l'échec. Mais par contre, le call m'a régalé. Je t'ai vu partir, j'ai compris Psycho. J'ai dit, je tente un truc, je l'ai vu taper comme une brute sur le backboard. J'ai dit, allez, c'est Psycho direct. Mais n'hésite pas à refaire hein, si tu veux. Mais effectivement, le freestyle, c'est encore une autre dimension. Mais t'as des très bonnes bases quand même. Hein. Le mec Musty, triple flip reset. En fait, le truc, c'est que j'ai essayé d'en faire une fois en game en Psycho là. Ah ouais? J'en ai déjà mis un ou pas? Non, j'ai jamais mis. Ah, c'est dur, hein. C'est la mécanique, je pense, la plus dure. Hein. En fait, c'est la touche qui fait tout, genre. Hein. Bah oui, et puis c'est vraiment une touch qui est pixel en fait. Ouais, j'ai troll là. Oh bah c'est presque passé hein. Ok. Ouais. Oh lui il est pas bien. Oh lui. Oh lui. Oh lui il a vu sa vie défiler. Oh le truc que tu redoutes. Atto en 1v1 air dribble face à toi. Théma il a plus bougé, il est tétanisé. Il fait une marche arrière. Oh le pauvre. Oh non. Non mais les mecs ils viennent, ils donnent de leur temps pour se retrouver dans des situations comme ça. Non, ça se fait pas. 9-3. En plus tu peux vraiment rien faire genre. Ah ouais là oui. Ça c'est la pire situation, c'est l'une des pires situations d'un défenseur sur Rocket League. Hein. C'est cette situation de air dribble bump. Oulala, ça leur a donné des idées le air dribble bump. Oh, le boost récupéré. De belle. Oh, elle est dure, elle était tellement puissante sur le backboard, elle était un peu bas. Ouais, ça. Mais très très bien tenté. Oula. Attends, je me fais un. Ah là, te fais bully, hein, le cyber bully présent. Ouais, je vais juste tirer là. Ouais. On va retirer. Oh ouais, dommage. Petite parade sur la ligne. Ok, je retente. Oh là là. Ouais, non. Oh non, mais le pire. Retenterai. Oh le pire setup. Magnifique, hein, la façon dont tu en es sorti là. Aïe aïe aïe, est-ce que ça va être possible? Oui. 10-3 contre les diamants. 7 buts d'écart et 40 secondes restantes. Alors là, on veut du spectacle. Hein. Là, on veut ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'Ato fait de meilleur, on le veut. Parce que là, on l'a bien compris, c'est gagné, pas de risque. J'ai essayé de le battre ici, enfin de le tuer. Belle aussi. T'inquiète. Ouais, c'est prévu, regardez, ça libère un setup wall, c'est tout à fait prévu. La double flip reset. Ouais, je l'ai pas. Oh la tristesse. Pancake. Oh dommage. Et 30 secondes. Ça tente la transi. Pinch. Voilà. Oh. Ouais, c'est pas mal.
Oh, la lecture, magnifique. 11-3, 13 secondes. Et ça déroule, hein. Tu es en train de nous atomiser le concept, là, mon cher Ato. Hein. Incroyable. Sachant qu'en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un début de saison. Donc, c'est-à-dire que les joueurs qui ont platine, diamant, tu vois, des diamants début de saison, c'est certainement des champions fin de saison. Les champions début de saison, c'est certainement des grands champions fin de saison. Donc très sincèrement, c'est assez incroyable. Ça nous régale. Ah, c'est pas but. Oh, le rebond, il aurait pu être extérieur. Aïe. Non, mais t'es un mec sympa. C'est tout. Exactement. Bien, il faut pas chier. C'est pas un raté. Genre, ça, c'est genre, oh voilà, tenez les diamants. Un petit but de plus, ça vous fera pas de mal. Voilà, la générosité, les amis. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais en commentaire, mettez dans la description, enfin, dans les commentaires, jusqu'où va aller notre très cher ami Ato. Bon, là, vous êtes déjà un petit peu spoilé. Puisqu'il a gagné les diamants, mais est-ce qu'il va perdre contre les champions ou est-ce qu'il va gagner les grands champions? Dites-nous, hein. Je t'aime, Fuf, j'ai flic à tôt. Voilà, on a régalé quelqu'un. Merci à toi, mon bro. Merci aux diamants qui sont venus. Victoire d'Ato, très large victoire, une fois de plus, 11-4. Qui va l'arrêter? 16 tirs, 11 buts, 4 arrêts. Je te sens à l'aise, Ato. Ai-je tort? Pour l'instant, ouais. Tu te sens bien, hein? Là, dans le concept, on est pas mal. Allez, tu sais quoi? On perd pas plus de temps. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le sérieux. Les joueurs champions, c'est parti. Les joueurs champions sont arrivés dans le lobby, on perd pas de plus de temps, let's go, Ato, allez, orange toujours, ça lui réussit, y a pas de raison de changer, sur ta vue, on est prêt, quelle est la strat, Ato, on veut tout savoir. Je pense que je vais faire des moves en l'air. Ok. Je sais pas s'il counter bien les trucs en l'air. Attention, champion ça joue, hein. Surtout que c'est des champions de début de saison. Là ça va commencer à faire des bonnes aériennes, à bien défendre, à être sur le backboard, etc. Hein. Allez, regarde, tu vois déjà comme ça vient de challenge. Sens que le challenge est maîtrisé. Le problème, ça va être le boost ici. Hein. Ouais. Le boost management, après, ça devient compliqué. Eh oui, attention. La balle était tellement chiante. Elle était chiante. Et puis là, c'est des joueurs champions. Donc forcément, ça punit directement derrière. Autant tout à l'heure, quand il y avait une balle ratée, bon, il y avait un mauvais contrôle. On pouvait se dire, ça va passer. Là, champion, ça va très rarement rater les open. Et après, si tu passes face au grand champion, ça va quasiment plus les rater du tout. Hein. Donc il faut effectivement peut-être faire des moves un petit peu plus sûrs. Ok, là, il va bien. Enfin, je tiens. Nice, bien joué. Oh, ça rentre? Mais oui. Je pense pas. Oh, il a. Ça prenait la direction des cages, mais bon retour du défenseur. Oh, magnifique. Ça régale. Et ça, c'est du move compétitif. Hein. Petit contrôle orienté pour passer un joueur. Et derrière, la frappe. Là, on le voit, paf. Et derrière, on perd pas de temps. Très, très bon corner shot. Corner attaque parfaite. Et ça fait un partout. Le retour d'Ato. Oula, désavantage. Hein. Ouais. Qui va me bump? Oh! Pinch? Ouais, oh là là là! Eh oui, champion! Champion, hein, ça joue! Hein. Eh oui, ça joue, champion! Aïe, t'avais fait deux super saves en plus! Ah, c'est compliqué, hein! Mais je pense que t'as la bonne frat de pas y aller en vrai! Ouais. Juste peut-être avance pas trop pour pas te faire lober et te retrouver en situation un peu complexe! Là, je challenge! Tiens! En vrai, je vais tirer, je pense. Oh oui, oh la frappe croisée. Oh, quel arrêt! Là, je vais attendre, il va me la rendre. Il n'y a pas le boost. Ouais, ça va être chaud là. Ah, le bâtard. Ah, dommage, ils défendent bien un par un. Oh, petite frappe au sol. Là, il va la rendre à son teammate. Je le bats. Ouais, bien joué ça. Mais t'as vu, il y en a un qui reste derrière, au loin. Ils veulent pas prendre trop de risques, hein. Ça peut être évident. En termes de stratégie là. On sent qu'ils ont essayé de planifier quelque chose, je pense. Un il va peu falloir chaud. Être très fort. Tran. Hein. Il y a un monde où c'est pas but. Ok, ça. Nickel. Il me l'arrange, le boy. Hein. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, dommage, un peu écrasé. Mais je pense que cette vitesse de jeu là, c'est pas mal. Ouais, je pense que tiens. Oh ok. Ouais, ça. Allez, il la rend, je pense. Ouf. Je te jure qu'ils sont meilleurs que moi bientôt. Ah, ils sont chauds. Ah, mais champion, ça rigole pas, hein. On est sur des bons joueurs, hein. Ah, non. Eux aussi. Oh, le boost. Oh, le rip-up du boost. Ok. Ouais, j'ai trop de chance. Il est perfect, hein. S'il saute pas, je peux pas marquer en vrai.
Ouais, non, faut pas prendre le risque. C'est un peu dangereux, ouais. Là, il va me bump, non? Tiens. Là, s'il change pas, c'est parfait. Ah, il va te challenge. Ah, il va te challenge et en plus, ça leur donne une bonne balle. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai la touche. Ah, j'ai 0 là. Ouais, pas évident. Oh là, oh là là, ça joue très bien. Les champions sont en forme. Et 2 minutes 16 restantes. Alors mec, pas de panique. Vraiment, des comebacks en champion comme ça, on en a vu plein. Hein. Deux buts, trois buts. Suffit que voilà, tu ailles chercher des bonnes frappes, pas d'erreur derrière. Et tu peux aller remonter la game. Il joue très très bien lui. Hein. Oh allez, 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 rate. Oh, tiens. Oh, let's go. Voilà, ça peut partir de là. Ah non. Je pense que je vais essayer de jouer fast ici. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mettre des frappes de loin, des backboards hein, s'ils défendent pas. Ouais. Oh là là, mais ils mettent en meilleur pire, mais ils sont chiants, vous m'avez envoyé les GC ou quoi déjà? Je sais pas. Oh là là, allez, 1 minute 48, c'est pas fini. Bon, allez, hein. Oh putain, ils mettent des pralines. Hein. C'est assez compliqué. Oh mais. Oh mais c'est fou ça, par contre. Allez, allez, je laisse te concentrer, je parle plus. Ouais, c'est pas grave, hein. Vas-y. Tiens. Ça okay, part de là, let's go Atto. Allez, 2 buts, 1 minute 30, c'est large faisable. Après c'est chaud, hein. Ah oui, c'est compliqué, hein. Il y en a plein qui ont perdu contre des champions, hein. Vraiment, beaucoup de joueurs pro qui ont perdu déjà à ce niveau-là, c'est très dur. Allez, 1 minute 30, je vais te concentrer. C'est à toi. En fait, je sais jamais ce qu'on va faire, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est ça qui est dur, c'est parce qu'en fait, tu sais pas trop ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Mais c'est pas grave, c'est pas fini. Vous voyez, gagnant du tournoi S4, et on vous dit, ils sont vraiment vérifiés au tracker, hein, les amis. C'est vraiment des champions. Tiens. Okay. Il a pas de boost, hein. Bon, là, ça va être chaud de la marquer. Hein. Ouais, dommage. Ouais. Simon, t'avais pas le contrôle du ballon. Il va miss. Let's go. Let's go! Allez, 1 minute 8! On y croit! Magnifique, magnifique. Hein. Très, très beau but. Hein. Très dur à placer contre 3 joueurs. Le fake, la petite touche de balle parfaite. Et la frappe enclenchée juste derrière sous la crossbar. C'est sublime. Et c'est encore faisable. Allez, à tôt. Là, je pense que je vais y aller. Ouais, je pense que c'est quand. Genre. Nice. Oula. Ouais. Je prends le back left ici. Ouais, c'est pas trop mal ça. Ok, il me bat. Ok. Oh tiens. Oh, nice. Allez, 40 secondes. Oh, la petite touche que tu remets à la fin, elle est folle. Là. Ouais, j'ai entendu sauter, il me semble. Là. Oh là 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 là. C'est magnifique. Allez, 40 secondes, let's go. Bon, là, ça va être chiant, là. Bon, je vais essayer d'y aller quand même. Oh, magnifique. Okay. Oh, non. Ah non, dommage. En vrai, j'ai une drape, normalement. Ouf, ou l'esquive. Là, j'ai jamais mis, personne va sauter. Ah non. Ouais, ok. Ok. Oh non. Oh le SEM. Oh non, c'était soit le but de l'égalisation, soit ça. Oh non. Oh, c'est terrible. En plus, mon Maritech, enfin. Ah ouais, ouais, bah c'est le problème du flip reset tout seul quoi. C'est que ah, si ça rentre pas, c'est terminé. Allez, 7 secondes, on sait jamais, un kick-off. On reste concentré jusqu'à la fin. Oh, je vais essayer de faire un ce kick-off, mais je pense pas que ça va passer. Ouais, dommage. Aïe, 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 aïe. Ah, ben... Défaite d'Atto contre les champions, c'est vraiment dommage.
Mec, t'as super bien joué déjà, sache-le. Ils étaient particulièrement chauds. Surtout, bon, au final, il n'y a pas tant de points que ça, Eliel. Mais il a mis, à chaque fois qu'il a touché la balle, il a mis des buts très intéressants qui ont fait mal. Mais magnifique prestation, 6-4. Surtout qu'il y avait la balle du 5-5, t'as pris des risques, c'était normal, il fallait tenter, il restait une dizaine de secondes. Exceptionnel ce que t'as fait. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un tout petit débrief du match avec les joueurs champions, c'est parti. Salut les gars, comment ça va? Ils sont là, les joueurs champions, ça va ou quoi, les gars? Oui, toi. Ça va, super, bravo pour votre victoire. Quel match, c'était intense, hein, jusqu'à la dernière seconde. Tout pouvait jouer, on l'a vu, Atto qui a malheureusement mis son flip reset sur la barre transversale et ça vous a donné le but de la victoire. Bon, est-ce que vous avez kiffé les gars? Ah, c'était grave cool, c'était incroyable. Vous aviez une strat ou pas? On a vu que vous étiez un joueur qui était quand même assez safe, j'ai remarqué un peu qu'il restait derrière, pas de commit à 3 ou quoi que ce soit, ou vous y êtes allé comme ça, ça se fait naturellement? On s'est juste dit de base, on essaye de le démo mais stratégiquement. Ok. Voilà, on s'est dit, il y en a un qui contrôle, il avance et les autres essaient un peu de le gêner, mais au final, on l'a pas fait, on a juste joué normalement. Alors, en fait, le but était de pas lui laisser d'espace et bah de pouvoir après, dès qu'il commit, bah, mettre le but. Quoi. Ok, très bien. Bah, vous l'avez mis en difficulté, notre cher Atto, malgré le fait qu'il soit revenu. Hein. Je pense que voilà, il s'est fait surprendre dans les premiers instants. Il y a eu quelques buts de retard qui ont mis un petit peu de difficulté à cette tâche de revenir au score, mais à la fin, on n'était pas loin de l'égalisation. Atto, tu les as trouvés comment ces joueurs champions? En vrai, ils étaient chauds. Mais je pense que si je trollais pas les kick-offs, il y avait moyen. Quoi. Ouais, c'est vrai que les kick-offs aussi, il y a eu deux buts, je crois, sur kick-off goal, quelque chose comme ça, un dribble et peut-être un autre. Effectivement, ça fait la différence. On sait que quand on arrive contre les joueurs champions, les kick-offs, ça va être une partie très très compliquée. Mais en tout cas, c'était un très beau match. On a vibré. J'espère que les gens qui ont regardé cette vidéo aussi ont passé un bon moment. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, un commentaire pour nous le dire si vous êtes régalés. Et à vous abonner, ça fait plaisir. Les joueurs champions, merci à vous d'être venus. Encore bravo pour votre victoire. Bravo à vous, les gars. Merci beaucoup, Allez, passez une bonne fin de journée, les gars. Je vous laisse quitter le salon. Ciao. Mon cher Atto, c'est la fin de la vidéo. Tu t'inclines donc contre les champions. Je le dis, je le redis encore même, il n'y a pas à rougir, c'est une très très belle performance, prestation. On n'était pas loin en plus d'aller affronter les grands champions, ça s'est joué à rien du tout sur un flip reset à la fin. Ouais, dommage, est-ce que t'as kiffé quand même? Est-ce que t'as passé un bon moment? Non, en vrai, honnêtement, c'était cool. Bon, ça fait plaisir à entendre. Les amis, Atto, je vous le dis, pépite belge qui arrive sur la scène, très jeune, 15 ans seulement, déjà pique par la Team Liquid. C'est pas un hasard, donc il faudra le suivre de très très près. Je vous mets son Twitter dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à lui amener un maximum de force. Atto, bravo encore, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était un régal de faire cette vidéo. Ouais, merci, toi. Merci. Eh ben, de rien, de rien. Et merci, merci à vous qui avez regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. C'était Fury et Atto. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!